And so I'm going to give the floor to the Centre Indépendant de Recherche et de l'Initiative pour le Dialogue. You have the floor. Monsieur le Vice-président, nous rendons hommage au travail des distingués membres du groupe d'experts sur les peuples d'ascendance africaine. En tant que membre de la diaspora mandaté par le Bureau Afrique du Syrie d'Abujumbura, Burundi, Cœur d'Afrique, pays source du Nil, pour présenter cette pétition en partenariat avec cette ONG ECOSOC, nous demandons très humblement votre appui et facilitation auprès des instances de l'ONU et de l'UA qu'ils soient mis dans l'ordre du jour du prochain atelier ONU et sommet de l'Union africaine, en point demandant l'institutionnalisation de la sixième région de l'Union africaine. Institutionnaliser la sixième région de l'Union africaine, la diaspora, est possible vu l'état de ratification de différents instruments la reconnaissant. L'institutionnaliser, c'est l'appuyer pour être organisé en communauté institutionnelle permettant une participation démocratique, représentative et inclusive de tous les peuples d'ascendance africaine au développement de l'Afrique que nous voulons, notamment au Parlement panafricain. Enfin, cette pétition est alignée à la stratégie de 63 de l'Union africaine pour la réalisation des États-Unis d'Afrique. L'initiative respecte et met en œuvre la décennie internationale des peuples d'ascendance africaine. Le défi que nous proposons rejoint également le programme UNESCO pour l'éducation à la citoyenneté mondiale. Et ici, spécifiquement, nous parlons de citoyenneté panafricaine. Cette identité a été retirée aux afrodescendants contemporains depuis l'époque de la traite transatlantique des captifs africains. Aussi, dans les nouvelles, plusieurs siècles avant la déportation des 16e et 19e siècles, la communauté des Égyptiens des Balkans a été sortie d'Égypte il y a 3000 ans et vit toujours en communauté organisée et reconnue par les États et institutions des Balkans en tant que minorité égyptienne, laquelle fait donc partie de la diaspora panafricaine. Sur le plan légal, la sixième région de l'Union africaine pourrait être gouvernée par la résolution 68-237 créant la décennie des peuples d'ascendance africaine, puis par l'acte constitutif de l'Union africaine, le protocole à l'acte constitutif concernant le Parlement panafricain. Plus bas, aujourd'hui, distingués délégués, nous élargissons notre champ d'amis et partenaires et requérons votre assistance pour faire suite à cette demande auprès des chefs d'État et de l'Union africaine, Uhuru na Amani. Merci.